Mac Sushi. Alors, salut à toutes et à tous, c'est Midonk, et bienvenue pour ce sixième épisode avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, comment vas-tu? Oh oui, je sais que tu as envie d'en buter plein. Mais nous étions quittés la dernière fois dans le biome champi lumineux. Et ça y est, nous sommes dans la grotte. Si vous avez raté l'épisode 5 en vous disant que j'allais encore stagner comme un malade. Mais ça y est, on y est. On a surmonté nos faiblesses. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Enfin. Voilà. Ouh, ça c'est de l'argent, ça encore. Ça c'est bon. Je pense me... Quelle est cette chose? C'est de la cendre? Hop. Échantillonnons. Ok, apparemment ça n'a pas vraiment... Ah ! Ok, c'est bon, t'as de la valeur, mec. Évite de me tomber dessus à l'avenir, c'est tout. Ouf. Il y a toujours de l'argent ici au-dessus. Je vais essayer de me couper du monde extérieur pendant que je fais mes petites affaires ici. Par contre, je vais essayer que tout ne me tombe pas sur la tronche. On peut miner comme ça, oui, ça se fait. C'est assez particulier, vous me direz. Là, apparemment, au-dessus, c'est de la pierre. Enfin, ça n'a pas l'air de tomber beaucoup. Donc on va y aller franco, là, hop, nice, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mesdames et messieurs? Où en sommes-nous niveau minerai? Oulalalala, cet inventaire. Je propose de remonter à la surface, pour un peu déstocker tout ça. Parce que ça devient un peu excessif. J'ai max life, il y a plein de chauves-souris partout, et quand je dis partout, c'est partout. Voilà, crève, slime à la con. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes sur le chemin. Oh là là, excusez-moi. C'est mon PC qui me dit qu'il a faim. Oui, du coup, il risque d'y avoir... J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de record. Hop. Ah. Ça devrait passer. Ça ne passe pas. Oui, vous avez faim, je sais. Mais mangez pas moi, s'il vous plaît. JCVD n'est pas bon. Trop de muscles. Vous voyez ? Bon, ça c'est la gloire avec le nuage dans une bouteille, ça c'est parfait. Par contre, il y a une chose là-haut. Non, c'est de la pierre. Pas trop d'importance. On remonte lentement, mais sûrement, mesdames et messieurs. Hop. Mais je suis content qu'on ait trouvé le nuage dans une bouteille, parce que vous voyez que ça me facilite grandement la vie. Notamment, on aura besoin de beaucoup moins de plateformes. Ce qui... Oh là là, lui je l'aime pas, je le vois venir, je ne l'aime déjà pas. Voilà, casse-toi, c'est très bien. Moi je vis mieux sans toi. Donc, je ne sais plus trop ce que je disais à propos du nuage dans une bouteille. Mais ce que je peux vous dire, c'est que
un des aspects bénéfiques d'avoir trouvé cet objet, pas dire en début de partie, mais bon, quand même assez tôt, c'est que pendant le combat contre notre premier boss, qui est l'œil de Cthulhu, je vais construire une arène dans les prochains épisodes, peut-être épisode 6 ou 7, je ne sais pas. On est à l'épisode 6, donc peut-être 7 ou 8, je ne sais pas. Et c'est une arène qui rend les esquives plus faciles vis-à-vis de l'œil de Cthulhu. Vous allez comprendre pourquoi le moment venu, hein. Écoutez, je vais pas tout vous spoil comme ça de manière ingrate. Hop. Et nous voilà dehors. En matinée en plus, mais c'est parfait, écoutez. Moi j'ai pas besoin de plus. Je suis bien. Retour comme ça, tranquille. Est-ce qu'on a une pièce d'or? Même pas. Pitoyable. Enfin bientôt, hein, cela dit. Ouais. Oh là 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 là. Je rate tous mes lancers de boomerang, c'est énorme. Tu touches pas à JCVD. Ok? En fait, je suis sûr, hein, quand on va lui trouver des armes, etc., il va avoir une armure, on va l'appeler Jean-Claude Gundam. JCGD. Rien à foutre. Ah, trop bas. Allez, allez. Voilà, voilà. Alors, où en sommes-nous dans notre épisode? Alors, tout le monde, sur le chemin du retour, je me suis trompé, j'avais fait mon outro, etc. Enfin, vous ne la verrez pas en vidéo parce que je l'ai coupé. Mais j'avais fait mon outro, etc. Parce que je pensais que ça faisait 34 minutes qu'on tournait. Hein. Moi, quand je fais les épisodes à la suite, comme ça, je n'ai plus la notion du temps ni de l'espace, n'est-ce pas? Mais en fait, ça faisait juste quelque chose comme 7 minutes, 7-8 minutes, enfin bref. Nous sommes toujours là, nous allons demander à notre cher petit guide ce qu'il en est. Avec du cactus, qu'est-ce qu'on fait, mon cher ami? Des potions, oui, bon, pas très intéressant. J'ai une manie. Une manie active, oui, on a déjà eu ça. Des champignons lumineux, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tiens? Des potions. Ouh, des grosses potions de soins, 100 PV, bam. Des potions de mana et des potions de brillance. Ah! D'accord. Bon, c'est sympathique, ma foi. Avec ceci, les racines clignotantes. Des potions et encore des potions. Mais toutes ces potions vont être intéressantes à l'avenir, surtout contre les boss et autres ignominies de ce monde sans cœur. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, bah écoutez... on va aller faire fondre nos minerais. Putain, ils ont laissé les portes ouvertes, mais... C'est un moulin, le truc, quoi. On va aller faire... Ouh, un vase rose. Oh, c'est mignon, tiens. Bref. Nos minerais. Je veux mes lingots. Hop. On en avait du cuivre. Qu'est-ce que je peux jeter? Ceci, c'est... Oui, allez, mettons-la là. De l'argent. Voilà. On va remplacer les blocs de boue. Hop. J'ai pas envie d'une enclume ou quoi que ce soit. Je veux des blocs d'or. Ah, il y a des blocs d'argent aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remplacer? Qu'est-ce que c'est que ça, tiens? Ça, c'est du fer. Les glands, on s'en fout. Hop. Et l'or, ça... On peut déjà le stacker. 17! Ça, c'est très très cool. Et voilà, mesdames et messieurs, notre épée longue. Yes! Ça va peut-être nous donner un petit avantage tactique.
par rapport à nos ennemis, n'est-ce pas? Épée courte, autant pour moi. Épée longue. Voilà. Est-ce que l'épée en argent donne mieux? Tiens. Non. Non. Mais je peux me faire des éléments de l'armure de fer. Deux défenses pour le casque. Ouais, non, on va faire une épée en or, écoutez, ça c'est sûr. Épée longue en or. Tac. Ça c'est bon. Notre épée en bois. Je pense qu'on va l'acheter. Ouais. Hop, tu as bien servi, c'est bien. Attendez. Non, il n'y a pas vraiment de... Wouah! Ça c'est pas mal, ça ce que j'ai eu. Regardez les tributs. Agile. Donne 10% de vélocité en plus et 3% de chance de coup critique. Ça c'est pas mal ça. En plus, hein, évidemment. J'ai hâte. Oh là. Ok, il m'affiche tout ce que j'ai fait après. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux évidemment. J'ai des pièces d'or, etc. Oui, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous avons fait notre épée. Oh là là, qu'elle est belle. Par contre, c'est vrai qu'elle va vite. Oh là là, mesdames et messieurs, c'est énorme. Et on va pouvoir déposer nos coffres ici. Hop, bloc de terre. Et deux coffres. Une, deux. Voilà. À partir de là, on va faire une pile rapide ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire pour le reste? On va retirer tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc ceci. Ah, attendez, il y a peut-être l'autre coffre. Voilà. Là, c'est correct. Donc, les minerais, je les mettrai à côté. Ça peut aller ici. Ça aussi. Graines de racines, pareil. Ça aussi. J'aimerais plus les utiliser, tiens. Bon, tant pis. Les blocs de pierre. Oh, des toiles d'araignée. Oui, j'avais l'objectif de faire un lit. C'est vrai, ça. J'oublie un peu ce qu'on était en train de faire. L'objectif était de faire un lit, et pour faire un lit, il faut des toiles d'araignée. Donc, on ira peut-être en chercher un petit peu plus la prochaine fois. L'argent, c'est bon. Oh, un crochet! Ça, mesdames et messieurs, c'est énorme! Je sais pas où j'ai trouvé ça, c'est en tuant les squelettes? Ah, j'aimerais voir ça au rush. Mais le crochet va nous permettre de créer le grappin. Et le grappin, Cthulhu, c'est la vie. Voilà, tout simplement. Un peu partout, en fait, même en minage, etc. C'est génial. Et il nous faut maintenant des maillons de fer. Je vais les garder sur moi pour aller demander au guide, où est-ce qu'on fait? On a des statues, Hardig là, et c'est très très bon ça. Minerais, des potions dont on n'a pas besoin, des champis qui arrivent à bout, tant mieux. Voilà, ça me paraît bon pour celui-ci. Et ici, on va mettre tout ce qui est minerais. Hop. En toile or, tira tout en bas. Minerai d'argent, on va mettre ici. Minerai de fer en dessous du cuivre. Ah oui, il faut qu'on commence à faire des choses ordonnées parce que sinon, au bout d'un moment, on ne va plus s'y retrouver nulle part. Bloc d'argile, tiens. Hop. Est-ce que j'ai encore... Oui, j'ai du minerai ici. Est-ce que j'ai du lingot? Je n'ai pas de lingot de fer. Bien. Parfait. Ce sont des graines de champignons que je vais déposer à côté. Hop. Je vais changer la couleur de mon curseur parce que je ne le vois pas bien. Alors, j'y sais. Qu'en dis-tu? Tu n'en dis rien. Et il est content de sa nouvelle épée, apparemment. Ouais. Ouh, elle marche bien. Oh, ce pauvre lapin qui a rien demandé. Alors mon ami, dis-moi, le crochet. C'est trois chaînes de fer et on fait des chaînes de fer avec du fer. Ça oui. Je ne sais plus du tout comment en fait. Je vais retourner voir.
pour voir si j'ai pas déjà dû faire. Attention! Oh! Oh! Deux coups d'épée, c'est bon ça! Ah, ah d'accord, oui, donc j'ai dû faire. Si je sais me faire le lingot maintenant, c'est magique. Hein. Attention maintenant, mesdames et messieurs, c'est historique. Hein. Hop! C'est historique, je rate mes sauts et je ne sais pas viser. Voilà. Est-ce que je sais faire des chaînes de fer? Ou alors il faut en dropper ou en acheter ou en trouver, je ne sais plus du tout. Parfait, des chaînes en fer. Il en fallait combien? 3 lingots. Bien, je vais demander au guide combien il m'en faut. J'ai pas envie de gaspiller tout mon fer là-dessus, déjà que j'en ai pas énormément. Matériaux, voilà. Oui, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, faire. Lol. Le crochet, je l'ai pas repris encore. Ouais, c'est bien ça. Il est resté là-bas. J'arrive. Nice. Voilà. Bon, attends, mais pars pas, monsieur. Monsieur. Tu sais, rattrape-le. Artisan. Le mec, il l'évite. Il l'évite en parlant. Donc, crochet, tu m'as dit combien de chaînes? Ah là là, c'est petit tout ça. 3. 3 chaînes de fer, donc ça devrait aller, magnifique. J'ai le crochet, mesdames et messieurs, c'est phénoménal. Hop. Après, avec plusieurs crochets, on peut faire ça aussi, le double crochet. Ça permet de jouer à Spider-Man, hein, concrètement. Ouais. Allez, la vitesse de défilement est super lente. On va y arriver. Allez. 1, 2, 3. Clac. Et là, le grappin, mesdames et messieurs. Parfait. Ça par contre, c'est pour ça. Et j'ai une touche GG à signer. Wouhou. Ah, c'est génial, mesdames et messieurs. Alors voilà, maintenant, ce qui va être pratique, c'est que je vais pouvoir me défendre en l'air, que je vais pouvoir miner. Vous voyez, je peux miner comme ça, il n'y a pas de souci. Et je peux déjà faire un petit peu Spider-Man, en fait. Hein. Hop. Puisque je vais peut-être devoir réinitialiser les touches. Voilà. Et vous voyez, l'avantage des plateformes, c'est que en cas de pépin, je peux directement faire ça comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qui va constituer la base de l'arène pour Toulouse. Je vais vous montrer ça, hein, de toute façon, dans le prochain épisode. Je pense qu'on va faire ça. On va la monter, mais on va pas le combattre tout de suite. Parce que c'est... voilà, je me sens pas encore tout à fait prêt mentalement. Et je vais stopper cet épisode ici. Mesdames et messieurs, un épisode de 19-18 minutes, c'est très correct. Je vais vous dire salut à toutes et à tous, c'était Midonk. Je vais aller aider ce pauvre guide qui se fait attaquer de partout. Voilà, tuer ce lapin, pas de respect. L'humanité n'a plus d'espoir. Hop, avec le grappin de Spider-Man, le pot nuage. Enfin voilà, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. C'est la remontée de la pente, mesdames et messieurs. Sur ce, salut à toutes et à tous, c'était Midonk et Jean-Claude Van Damme sur Terraria. Salut à tous. See you next time.